Hey yo les amis, c'est Mamax, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo, donc c'est cette vidéo là. Et je vais tout simplement te partager un conseil, une astuce en fait, tout simplement pour pouvoir publier des vidéos en masse sur ta chaîne YouTube. C'est tout simple, c'est tout bête. Il y a certaines personnes qui l'ont déjà entendu, mais c'est vrai, ça marche, ça fonctionne. Donc si tu l'as entendu, applique-le, fais-le. Tout simplement, la technique est simple, c'est tout simplement de prendre plusieurs vidéos dans la même journée. Voilà, même si tu es un YouTuber qui publie des vidéos, je dirais tous les jours, donc qui fait vraiment du contenu journalier, etc. Publie des vidéos que tu as enregistrées la même journée. La technique, elle est simple, tu prends ta caméra, tu te filmes. Ensuite, si tu veux garder, on va dire, si tu veux faire vraiment garder cette osmose de une vidéo par jour, eh ben forcément, il va falloir te mettre dans un autre contexte que la vidéo que tu as fait précédemment. Ou alors, si tu veux tout simplement en faire vraiment à la chaîne, eh ben tu changes de vêtements si tu veux changer de vêtements, ou alors tu gardes les mêmes vêtements et ça fonctionne en fait. Donc, tu prends plusieurs vidéos dans la même journée. C'est ce que j'avais fait avec la minute du jour. Enfin, j'ai commencé à faire ça avec la minute du jour. Si tu ne connais pas la minute du jour, je t'invite à aller sur ma chaîne principale et donc d'aller dans la playlist minute du jour, et tu vas pouvoir en voir en fait toutes les minutes du jour que j'ai pu faire. Et donc en fait tout ça au début en fait j'ai enregistré plusieurs vidéos dans la même journée, sauf qu'en fait bon, particulièrement avec cette série là je n'ai pas pu le faire parce que c'était pas vraiment faisable. Mais ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai pris une vidéo tous les jours, mais je les ai pas publiées directement. C'est-à-dire que j'ai eu, on va dire, une semaine d'enregistrement où j'ai fait la minute du jour de 1 jusqu'à 7, qui était déjà uploadée sur YouTube et déjà planifiée en fait. Déjà planifiée, ce qui fait que pendant une semaine en fait, j'avais la possibilité de prendre une vidéo par jour, enfin de reprendre les vidéos par jour, mais vraiment réellement. C'est-à-dire que là, on était vraiment sur le feu de l'action, parce que la série, elle était démarrée, il fallait pas s'arrêter en cours de route. Donc voilà, j'ai fait une vidéo par jour que j'ai montée, que j'ai uploader et ensuite planifier. Et je les ai directement planifiés du jour au lendemain en fait. Et donc pendant une semaine, la minute du jour s'est lancée, pendant que cette semaine là, donc la même semaine où j'ai lancé la minute du jour, je commençais à filmer. Donc ce qui fait que j'avais déjà une semaine d'avance, et du coup je reprenais le même rythme de une vidéo tous les jours que je publiais quotidiennement, mais à la suite. C'est-à-dire que les vidéos que j'avais fait avant étaient déjà là et je pouvais emboîter derrière. Donc ce qui faisait que par exemple la minute du jour d'aujourd'hui, c'était en réalité le jour d'il y a 7 jours. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pense que vous m'avez compris, enfin c'est tout simple. Tu peux utiliser ce système là, ou alors prendre plusieurs vidéos dans la même journée que tu peux ensuite monter derrière, donc en une journée, et après tout simplement les uploader les unes après les autres. Voilà, c'était tout simplement ce conseil pour pouvoir publier plein de vidéos régulièrement sur YouTube. On se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.